Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre deuxième conférence de l'après-midi qui s'intitule « Vivre et travailler au Nouveau-Brunswick ». Le Nouveau-Brunswick, ça, c'est un nom comme ça qui vous évoque peut-être beaucoup de choses ou peut-être pas encore, mais en tout cas qui vous fait sans doute envie. C'est une province à l'est du Canada et qui a vraiment envie d'attirer des Français et où il fait bon vivre, va nous expliquer aujourd'hui Asma Regrari, agente principale des initiatives francophones. Bonjour Asma, qui s'affiche à l'écran à côté de moi. Bonjour, qui est en duplex du Canada. Bonjour Ingrid, bonjour la France, bonjour la francophonie. Merci de m'avoir sur votre plateau. Merci beaucoup d'être avec nous, Asma. Vous êtes diplômée en littérature avec une formation en éducation interculturelle et vous vivez au Nouveau-Brunswick depuis pratiquement 30 ans. Vous avez à cœur l'intégration socio-économique des nouveaux arrivants dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick et vous avez fondé, il y a 20 ans maintenant, une association multiculturelle, l'association multiculturelle du comté de Carleton. Vous êtes impliquée en siégeant au sein du conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick comme vice-présidente et présidente intérimaire. Vous connaissez donc très très bien cette région, cette province. Vous avez travaillé sur le dossier de la reconnaissance des acquis professionnels obtenus hors du Canada, donc ça concerne évidemment beaucoup les Français. Et vous êtes agente de programme d'immigration au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Vous êtes maintenant responsable des initiatives francophones. Donc, vous allez pouvoir expliquer à tous les francophones qui nous suivent cet après-midi les atouts de votre région, de votre province, l'attractivité à la fois en termes de mode de vie, bien sûr, puisqu'il s'agit de vivre au Nouveau-Brunswick, mais aussi en termes de travail, d'emploi, puisque on ne fait pas que y vivre comme ça en vacances, on y travaille aussi et c'est une région très dynamique. Alors, d'abord, question très basique, où êtes-vous? Où est le Nouveau-Brunswick? Alors, j'aimerais commencer juste par une petite correction. Tout ce qui s'est fait dans le domaine de l'intégration socio-économique, notamment l'association multiculturelle, était dans une vie antérieure. Parce qu'au gouvernement, on ne mélange pas l'action communautaire. C'était vos activités associatives et ce qui vous tient très à cœur depuis de très nombreuses années, depuis 20 ans, alors que vous êtes au Canada depuis 30 ans et vous travaillez par ailleurs pour le gouvernement et pour les autorités locales pour l'intégration, la meilleure intégration des nouveaux arrivants. Donc alors Asma, parlez-nous de cette région de l'Est canadien. Bon, alors quoi vous dire? Premièrement, merci de l'intérêt, merci de suivre cette conférence. Le Nouveau-Brunswick est une des quatre provinces fondatrices du Canada, du Dominion du Canada, comme on l'appelait auparavant. Nous sommes situés à l'est du Canada. Nous avons comme voisin le Québec. Nous partageons une frontière avec le Québec, une frontière avec l'État du Maine aux États-Unis, et qui se trouve au sud et au nord-ouest de la province, mais aussi avec l'île du Prince-Édouard. Nous sommes une province avec une petite population. Notre population compte moins de 800 000 habitants. Néanmoins, nous sommes une province axée sur la diversité, sur l'innovation. Et c'est aussi au Nouveau-Brunswick que l'on retrouve le plus haut taux d'entreprise au Canada. C'est dire combien la résilience des néo-brunswickois est fascinante. Donc, les communautés en tant que telles, nous avons trois grands centres urbains qui n'ont rien à voir avec Paris, ni avec New York, Kinshasa ou Rabat ou Casablanca, pardon, ou le Caire. Mais en même temps, c'est très vibrant. Donc, nous avons la capitale, évidemment, qui est Fredericton, mais qui est aussi la plaque tournante de tous les démarrages d'entreprises en ce qui concerne les technologies de l'information et communication. Nous avons aussi Moncton, qui est aussi peut-être la ville la plus diversifiée côté multiculturel, puisque la ville abrite la plus grande université francophone en dehors du Québec, à savoir l'université de Moncton, et que cette université y accueille beaucoup d'étudiants de la francophonie.
notamment, et beaucoup d'étudiants de l'Afrique. Donc, c'est assez vibrant et diversifié, mais c'est aussi la capitale de tout ce qui peut être siège social en ce qui concerne les institutions financières. Et nous avons Saint-Jean qui abrite la plus grande raffinerie de pétrole au Canada, mais aussi énormément de jeunes entreprises et d'entreprises établies, c'est-à-dire plus de 80 ans d'établissement, et donc qui attire aussi énormément de nouveaux arrivants. C'est les particularités de ces trois grands centres urbains sans qu'elles comptent au-delà de 100 000 habitants, d'accord? Sinon, nous avons un tas de petites communautés qui sont dynamiques. Alors, je commencerai peut-être par le Nord-Ouest, Edmundston, qui est, si je puis dire, la capitale du secteur manufacturier et aussi transformation alimentaire lorsqu'il s'agit du secteur avicole. Plus au sud, il y a Grand Sault qui est aussi capitale, pas capitale de la pomme de terre, mais c'est là où commence le royaume de la pomme de terre qui va s'étendre jusqu'à Woodstock. Et juste au nord de Woodstock se trouve Florenceville, Bristol, qui est le siège social de McCain. Alors, si quelqu'un est déjà allé manger chez McDonald's, les frites qui arrivent, que vous achetez, proviennent de McCain. Si on va un peu plus au sud, il y a Woodstock qui est la capitale du transport et qui est vraiment stratégiquement située parce que Woodstock se trouve à seulement 10 minutes de voiture de l'État du Maine. Et donc, ce qui relie toute l'autoroute, la 96, au reste des États-Unis. Mais si je m'en vais un peu plus au nord, pardon, je bouge trop mes mains, si je m'en vais un peu plus au nord et le nord-est, bon, à l'est d'Edmundston, il y a la région du Restigouche qui est aussi reconnue pour son secteur manufacturier et son secteur forestier. Bathurst est reconnue pour le port de Belle Dune et aussi pour son secteur minier. Puis lorsque l'on descend sur le bord de la côte, vous avez tout le secteur de la transformation des poissons et des fruits de la mer. Et là, on arrive vers Moncton. Et par la suite, on va vers Saint-Jean et on remonte. Donc, si je dois parler des petites communautés, donc il y a Bathurst, il y a Campbellton, il y a Miramichi qui est reconnu pour son chantier naval, ainsi que Caraquet, Shediac et Caraquet aussi pour la transformation du poisson et des fruits de mer. Donc chaque petite communauté a vraiment ses particularités et son économie assez spéciale. Ce qui fait bon vivre au Nouveau-Brunswick, c'est aussi le fait que nous avons le temps de vivre, contrairement au grand centre urbain ou aux métropoles. Je ne vais pas dire grand centre urbain parce que nous avons trois centres urbains. Donc, la plupart du temps, cela prend à peu près 20 minutes par jour de trajet pour aller au travail, ce qui vous donne énormément de temps pour vos hobbies personnels, pour les activités extrascolaires des enfants et retrouver vos amis ou tout simplement relaxer à la maison, pouvoir être en mesure de préparer son repas, lire un livre. Voilà, donc il y a énormément de d'avantages. L'autre avantage, c'est que le fait que nous ne soyons pas très nombreux fait que nous ayons des espaces verts à portée de la main. Le Nouveau-Brunswick, c'est aussi peut-être la seule région au Canada, mis à part peut-être la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, où l'on peut parcourir seulement 180 kilomètres pour se retrouver au bord de la mer. Donc, au nord-est, nous sommes bordés par la baie des Chaleurs. Ensuite,
nous avons le détroit de Northumberland et au sud-ouest, c'est la baie de Fundy avec les plus grandes marées du monde. Donc, il y a beaucoup à faire, beaucoup à voir et je vous invite à en savoir un peu plus. Là, vous nous avez vraiment présenté cette région comme le secret le mieux gardé du Canada, hein, qui est une expression que vous employez souvent. Absolument. Depuis plusieurs années que je vous croise et que je vous vois à Forum Expat, vous nous dites chaque année, ma région, c'est le meilleur secret. Et en effet, cette région, elle est composée à 80% de forêts, mais vous l'avez dit, il y a énormément de villes plus ou moins grandes, de petites communautés, donc c'est à échelle humaine. Et en même temps, il y a des secteurs très dynamiques. Vous en avez évoqué un certain nombre. Et il y a une question qui revient chez nos internautes. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très, très nombreux et nombreux à se demander comment on fait, alors là, vous nous avez vraiment donné envie, comment on fait si on veut chercher du travail au Nouveau-Brunswick, on est en France, on veut, évidemment, avant de partir, avoir un contrat de travail ou au moins une offre, comment s'y prendre quand on est étranger? Alors, comment s'y prendre? Nous avons un site web qui est www.bienvenue.ca. Il y a une page web pour les événements de recrutement à l'international. Aussitôt que nous organisons une session d'information ou une mission de recrutement, la mission est placée là. Nous invitons les gens à pouvoir s'y inscrire. Du côté de l'immigration, lorsqu'il s'agit de nos programmes d'immigration qui sont gérés par le Nouveau-Brunswick avec un accord conjoint avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à savoir le gouvernement fédéral, nous avons certaines exigences par rapport à cela. Donc, il faut avoir de 1, pour être prêt à immigrer, en vous inscrivant, vous nous donnez la chance de découvrir votre profil. Et la plupart du temps, lorsque ces missions sont organisées, elles sont organisées conjointement avec des employeurs qui sont à la recherche de talents. Donc, selon les exigences de l'employeur, nous allons pouvoir choisir certains profils, que ce soit dans la technologie de l'information, dans le secteur financier, le secteur de l'énergie, l'éducation à la petite enfance, tout ce qu'il y a aussi comme cybersécurité, technologie, tout ce qui est fabrication avancée et santé numérique. Je ne cite que quelques-uns des secteurs qui sont soit émergents, soit très, très bien établis. Donc, une fois que nous avons ces profils, nous les partageons avec les employeurs. Si, par exemple, les personnes se conforme aux exigences des programmes, à savoir détenir un test de langue, que ce soit le TEF pour le Canada ou le TCF pour le Canada. Alors, le test d'évaluation du français, et le test de connaissance du français, tous les deux pour le Canada. Une évaluation du diplôme d'études, qui est une évaluation comparative, qui va nous dire que votre diplôme est comparable à un diplôme canadien, ainsi qu'une année d'expérience validée par une lettre de référence qui décrit vraiment les tâches et responsabilités du poste que vous occupez ou que vous occupiez auparavant. Et dépendamment du programme, on va exiger une année d'expérience de travail au moins pendant les 3 dernières années ou les 5 dernières années. Donc, à partir de cette sélection, on va pouvoir parler avec vous et avec l'employeur et vous aiguiller du mieux que nous pouvons. Si, par exemple, vous ne possédez pas ces documents, mes collègues d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada vous expliqueront par la suite. J'imagine qu'ils ont c'est demain, ils ont une présentation demain, donc, et expliqueront les exigences par rapport au programme. En ce qui concerne les Français et tous les francophones, nous sommes vraiment à la recherche
de francophones, de talents francophones, pour la plus simple raison que nous sommes la seule province officiellement bilingue du pays, du Canada. Et que pour maintenir notre poids démographique en tant que francophone, il est du devoir du gouvernement d'assurer la vitalité des communautés francophones. Donc, il y a énormément de travail qui se fait de ce côté-là et énormément de collaboration, justement, alors, afin d'attirer des talents francophones. Asma, justement, j'ai deux questions. Est-ce que on peut fonctionner complètement seulement en français ou pas? Si ce n'est pas le cas, quel niveau d'anglais faut-il avoir? Et ma deuxième question, c'est quels sont les secteurs qui recrutent? Parce que vous dites qu'on a besoin de talents, mais est-ce qu'il y a des secteurs où il y en a plus besoin encore que d'autres? D'accord. Alors, tous les secteurs, premièrement, l'éthique. Technologie d'information et communication, il y a vraiment un besoin. L'énergie, l'éducation à la petite enfance. C'est sûr que si la personne ne parle pas français, c'est toujours plus facile à la personne de s'intégrer dans une communauté francophone. Mais pour avancer, pour avoir plus de chances, il faut au moins avoir des connaissances de base en anglais. Et d'habitude, dépendamment de la région où vous allez être, mettons si c'est une personne qui enseigne, par exemple, il se peut que la personne soit, soit dans une région anglophone. Je vais citer un exemple. Nous ne sommes pas à la recherche maintenant d'enseignants de français et langue seconde, mais mettons quelqu'un qui va venir enseigner en immersion française. Les classes d'immersion française, la plupart du temps, sont dans des petits centres. Ce qui veut dire que le parent, pour communiquer avec le parent, il va falloir que l'enseignant ait quand même une certaine base en anglais. Ne serait-ce que pour parler des progrès de l'enfant, de l'élève. Deuxièmement, si la personne est dans une grande ville, les chances d'accéder à un emploi sont toujours plus grandes lorsque la personne a une connaissance de base en anglais. Donc, le minimum, disons, et selon évidemment le secteur, ça va être justement un minimum de niveau de compétences linguistiques canadiennes d'au moins 4 à 5. Et dépendamment, évidemment, si la personne est dans le milieu de la santé, vu que il s'agit de la santé publique. La plus bilingue la personne est, le plus haut taux de chance elle aura de décrocher un emploi. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, 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 je crois. Merci beaucoup, Asma. J'ai bien noté pour les compétences linguistiques, j'ai bien noté les secteurs qui recrutent, qui ont plus de besoins, hein, même si j'imagine que si on n'est pas directement concerné par ces secteurs-là, on a quand même sa chance, parce que ça dépend des entreprises, ça dépend des contextes particuliers, des postes qui se libèrent éventuellement. Et j'ai compris aussi la mise en relation avec les entreprises. Alors, si je suis en France, par exemple, est-ce qu'il y a des programmes dont je peux bénéficier pour immigrer au Canada et plus particulièrement au Nouveau-Brunswick? Si oui, comment je me renseigne? C'est quoi ces programmes, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Absolument. Il existe deux volets d'immigration gérés par le Nouveau-Brunswick à travers le programme des candidats de la province. Le premier, vu que je m'adresse à un auditoire francophone, c'est Initiative Stratégique, qui n'a pas besoin d'une offre d'emploi. Néanmoins, c'est la province qui invite les candidats potentiels et les candidates potentielles à soumettre une demande. Il y a aussi Entrée Express du Nouveau-Brunswick qui ne nécessite pas une offre d'emploi. Il y a certaines exigences, donc toujours les documents requis, à savoir le test de langue, l'évaluation du diplôme, au moins une année d'expérience. Comme il n'y a pas de
l'obligation d'une offre d'emploi. Il est important que les gens puissent avoir les fonds nécessaires pour s'établir. Parce que venir, quitter son pays et venir dans une région qu'on ne connaît pas et ne pas avoir une offre d'emploi nécessite des fonds. Les fonds ne sont pas pour nous, rassurez-vous, ils sont pour vous. Donc, vous devrez nous prouver que vous avez les fonds nécessaires pour vous établir. Il faut avoir combien d'argent sur ce Alors, Entrée Express et Initiative Stratégique, c'est à partir de 13 200 $ pour la première personne, c'est-à-dire la partie demanderesse, le candidat ou la candidate. Ensuite, s'ajoute 3 200 $ pour chaque membre additionnel de la famille. Donc, ça peut chiffrer assez vite, dépendamment de la taille de la cellule familiale. Et encore une fois, c'est nous qui prenons la responsabilité d'inviter les candidats et les candidates. Donc, nous avons une équipe dédiée à Entrée Express et une équipe dédiée à Initiative Stratégique. Et est-ce que ces deux volets, pour ces deux volets, pour bénéficier de ces deux programmes, il y a des critères d'âge, par exemple? Donc, l'âge minimum requis est de 22 ans. D'accord? Pour et l'âge max, oui, pour les deux. Et l'âge maximum est de 55 ans. Parce qu'il s'agit d'un programme d'immigration économique malgré tout. Il faut aussi que la province s'assure que lorsque vous allez arriver, vous allez pouvoir contribuer au bien-être de la province en travaillant et bien entendu en payant des impôts. Donc l'âge. En ce qui concerne Entrée Express, de 22 à 36 ans, vous obtenez 12 points, qui est le maximum. À partir du 36e anniversaire, nous perdons des points. Alors, pour vous donner un exemple, je ne pourrais pas, moi, être éligible à Entrée Express ou à Initiative Stratégique parce qu'il faut nous prouver que vous allez pouvoir contribuer économiquement au bien-être de la province. Donc, il y a l'âge. Et est-ce qu'il y avait autre chose, pardon, Ingrid? Je vous posais vraiment la question sur l'âge, sur le financement, enfin sur la somme qu'il faut provisionner en fait pour pouvoir y aller. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités à savoir avant de se lancer et de postuler à ces différents programmes, outre le critère financier et générationnel? Non, mais il faut aussi être. Ce que nous faisons d'habitude, c'est que nous répondons aux besoins du marché du travail. Et aussi, nous voulons nous assurer que les candidats pourront s'intégrer économiquement. Parce que c'est bien beau d'arriver, et je sais quels sont les sacrifices que les candidats à l'immigration font, justement, notamment lorsqu'ils ont fait des études supérieures. Et pour nous, il est important qu'ils puissent s'intégrer, et bien entendu, nous les suivons durant les premières étapes. Par la suite, nous avons des collaborateurs, des partenaires communautaires qui les suivent durant la seconde étape. Et donc, nous voulons nous assurer que le projet de migration soit un projet réussi, parce qu'il s'agit, quand une personne seule, ça peut passer. Mais lorsqu'il y a un couple, il va falloir que le conjoint ou la conjointe puisse pouvoir, lui ou elle, aussi pouvoir s'intégrer au marché du travail. De nos jours, la plupart des couples, tous les deux exercent des professions. Donc, et en plus, s'il y a des enfants, donc on prend toute la cellule familiale. Et c'est un accompagnement qui va durer dans le temps. Premièrement avec nous, les services d'immigration. Deuxièmement avec nos partenaires communautaires. Et une fois sur place, donc les partenaires communautaires vont eux s'occuper de la période pré-arrivée, mettant que vous avez été invité à soumettre une demande, vous l'avez soumise, et que nous avons recommandé
la désignation. Vous êtes désormais candidat ou candidate de la province. Il y a d'autres partenaires qui sont là, notamment les agences de services aux nouveaux arrivants, qui vont vous fournir toute l'information nécessaire avant votre arrivée. Une fois que vous êtes sur place, nous avons aussi nos collègues au sein du gouvernement, à savoir Travail Nouveau-Brunswick, qui vont accompagner le conjoint ou les deux conjoints lorsqu'ils ne nécessitent pas une offre de travail. Donc, c'est une approche très holistique que nous avons adoptée afin que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Et selon la communauté où la personne a décidé, où la personne aimerait s'installer. Et est-ce qu'il faut, quand on postule dans le secteur des nouvelles technologies, par exemple, avoir une expérience préalable dans ce domaine-là, ou est-ce que si on est, on a 22 ans, donc l'âge minimum requis, on peut juste, fort de son diplôme, postuler pour travailler au Nouveau-Brunswick, ou est-ce qu'il faut déjà avoir tant de mois ou d'années d'expérience derrière soi? Comment ça se passe? D'accord. Donc, comme je disais auparavant, il faut avoir possédé au moins une année d'expérience de travail ou 1560 heures en une année ou en 24 mois. Ça peut s'échelonner en temps partiel à condition que le travail ait été rémunéré. Donc, ce qu'on va demander, et selon l'expérience, c'est voir une lettre de référence qui décrivent les tâches et responsabilités et qu'on ait un numéro de téléphone ou joindre le responsable de cette personne parce que nous faisons des recherches. Et donc, si la personne n'est pas encore prête, nous lui demandons d'attendre. Un an, ce n'est rien dans la vie de quelqu'un. Si c'est pour accumuler ses heures d'expérience de travail, au contraire, il est beaucoup plus bénéfique pour le candidat ou la candidate d'accumuler cette expérience de travail et de postuler par la suite. Asma, j'ai une question de Samira pour vous sur YouTube. Quels sont les sites qui publient des offres d'emploi au Nouveau-Brunswick? Alors, il y a www.emploinb.ca. Donc, c'est une plateforme qui regroupe toutes les offres d'emploi affiché au Nouveau-Brunswick. Il y a aussi Guichet Emploi, qui est le guichet fédéral, où les gens qui ont un profil entrée express peuvent partager leurs informations. Donc, c'est de cette façon que vous pourrez vous, Samira, que vous pourrez vous renseigner sur les offres d'emploi qu'il y a ici. Néanmoins, je tiens à vous aviser que même si la majorité des employeurs sont connaissants en immigration et sensibles à la question d'immigration, prenez soin de faire vos recherches avant de postuler. Il se peut que vous receviez un courriel, il se peut qu'on vous invite à une entrevue. Il se peut aussi qu'on vous dise « Pardon, vu que vous n'êtes pas déjà au pays, nous ne pouvons pas donner suite à votre candidature. » Donc, il faut aussi prendre en compte la réalité de nos employeurs. Certains, les grandes compagnies ont toujours un service de ressources humaines extraordinaire. Les petites et moyennes entreprises, moins. Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question maintenant qui nous vient aussi des internautes. Une question de Bijou sur YouTube qui se demande s'il existe l'équivalent du SMIC au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire du salaire minimum. Et s'il y a un salaire minimum, à combien s'élève-t-il? Pour l'instant, le salaire minimum au Nouveau-Brunswick est de 11,75 $ de l'heure. Néanmoins, dépendamment de la profession, nous, en tant qu'agents d'immigration, nous allons viser, lorsqu'il y a une offre d'emploi, le salaire médian. Le salaire médian est d'habitude plus haut que le salaire minimum et cela dépend de la région.
Donc, dépendamment où est située l'entreprise qui fera une offre d'emploi, nous allons comparer le salaire qu'offre l'employeur au salaire médian. Et donc, nous voulons voir le salaire médian pour la plus simple raison que nous ne voulons pas que les nouveaux arrivants soient exploités. Merci beaucoup. Une autre question qui concerne aussi le droit du travail de Mariama sur YouTube. Elle a le statut de travailleuse handicapée, le RQTH en France. Est-ce qu'il existe ce statut au Nouveau-Brunswick ou l'équivalent? Écoutez, à travers tout le Canada, les employeurs, la plupart du temps, doivent accommoder l'employé, dépendamment évidemment de l'handicap. Mais il y a, c'est quand même, c'est discriminatoire dans un, c'est discriminatoire si un employeur refuse un poste à quelqu'un qui est au Canada sur la base que la personne est handicapée. D'accord. Justement, je vais enchaîner sur cette question, sur la diversité. Est-ce qu'il y a une grande diversité de population au Nouveau-Brunswick? Est-ce qu'il y a beaucoup d'immigrés? Il y a un besoin depuis plusieurs années de main-d'œuvre. Donc, est-ce que ça a justement attiré des gens d'un petit peu partout? Est-ce qu'il y a une diversité culturelle, religieuse, géographique, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français aussi au Nouveau-Brunswick? Comment vous qualifieriez, comment vous décririez la société locale? Alors, dépendamment de la région où les gens vont s'installer, oui, nous avons des candidats de citoyenneté française qui sont venus s'installer au Nouveau-Brunswick. Certains se sont installés dans le nord-est, d'autres dans le sud-est, d'autres à Fredericton. Donc, dépendamment de là où... où ils ont eu un coup de cœur ou où ils ont eu un emploi. Parce que on ne choisit pas tout le temps là où on va habiter. Parfois, c'est le travail qui nous y amène. Donc, en ce qui concerne la France, oui, nous avons des citoyens, des néo-brunswickois d'origine française. Nous avons aussi une très grande diversité. Je vous citais l'exemple de Moncton et l'université de Moncton qui a tiré énormément d'étudiants en provenance d'Afrique, mais il y a aussi le collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui a des campus à travers toute la province qui aussi attire des étudiants étrangers. Nous avons le pendant anglophone qui est le New Brunswick Community College. Et nous avons aussi 4 universités anglophones. Donc ça, c'est à partir de ce que nous pouvons attirer comme étudiants étrangers. Mais il y a aussi tous les programmes d'immigration. Donc dans le Nord, on va retrouver une concentration de travailleurs originaires d'Afrique. D'accord. Que ce soit du Maghreb... d'Afrique subsaharienne ou aussi de l'océan Indien. Donc, des Malgaches, des Mauriciens, il y a un peu de tout. Vous avez, dans d'autres régions, ça va être des travailleurs ou des néo-brunswickois d'origine indienne, d'origine ukrainienne, allemande, C'est très divers. C'est très divers. Nous avons aussi un très grand festival à Moncton pour la diversité. Nous avons aussi des antennes et des associations multiculturelles ou au service des nouveaux arrivants un peu partout. En ce qui concerne le gouvernement, comme j'aime à le dire, nous sommes aveugles. Au sein d'opportunités Nouveau-Brunswick ou au sein des autres ministères, nous avons beaucoup de collègues qui sont issus de l'immigration. Alors donc, pour nous, c'est la compétence avant tout. La couleur, le sexe, la religion, importe peu dans ce cas-là. Ce qu'on recherche, c'est les compétences et l'apport de la personne à la communauté et à la province avant tout. Alors justement, on va revenir à des questions plus sur l'emploi et sur les programmes
pour l'emploi et les programmes d'immigration. Une question d'Angeline sur YouTube qui se demande s'il faut nécessairement avoir une offre d'emploi avant d'immigrer au Nouveau-Brunswick ou si on peut bénéficier d'un visa exploratoire afin de trouver un emploi sur place. D'accord. Alors, pour ce qui est des visites exploratoires, elles ne sont là que pour initiative stratégique et à condition d'être invité. Vous pouvez venir, mais cela n'arrangera pas votre demande d'immigration parce que l'invitation doit émaner de nos services. Donc, bien entendu, si vous avez un visa, si vous êtes complètement vacciné et avec des vaccins qui sont reconnus par le Canada, vous pouvez venir. Pour l'instant, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne serez pas autorisé à entrer au Canada. D'autant plus qu'une fois au Canada, si vous êtes vacciné, que vous devez venir au Nouveau-Brunswick, vous devez vous inscrire. Nous devons être au courant de votre arrivée. Et en vous inscrivant, vous avez un laissez-passer pour entrer. C'est pas un laissez-passer, nous ne sommes pas à la frontière en train de surveiller le monde, mais pandémie oblige. Nous avons resserré depuis le début de la pandémie qui peut entrer au Nouveau-Brunswick ou pas. Merci beaucoup pour ces réponses. Vous avez bien fait d'insister sur la nécessité d'avoir les deux doses de vaccins et de vaccins reconnus. Et à partir du 30 novembre, si je ne me trompe pas, il ne sera plus possible d'effectuer un vol intérieur ou un vol international sans avoir les deux doses de vaccins, que l'on soit canadien ou pas. Mais en tout cas, on ne pourra plus se déplacer à l'intérieur du Canada ou aller au Canada ou revenir du Canada sans avoir ce prérequis sanitaire et pouvoir le prouver. Alors, une autre question sur les programmes spécifiques ou les cas particuliers. C'est une question de Guy sur le site Forum Expat. Guy est étudiant en master sciences de l'éducation et se demande s'il y a un programme spécifique d'immigration auquel il pourrait prétendre. Oui, Guy, si vous avez une année d'expérience de travail, ce sera avec plaisir. Vous pouvez nous envoyer votre CV et il y aura moyen de le distribuer auprès des districts scolaires. Néanmoins, pour l'instant, tout ce qui est éducation du presque, enfin de la maternelle à la 12e année qui équivaut au bac en France et dans les pays francophones, il faut avoir une offre d'emploi. Ou nous envoyer votre CV et nous vous inviterons à vous inscrire sur une plateforme. Et de là, nous pourrons discuter avec vous. Donc, il y a moyen de venir si vous avez l'expérience nécessaire, au moins une année d'expérience de travail. Absolument. Sinon, s'il y a une offre d'emploi, pardon, Ingrid, s'il y a une offre d'emploi, il y a un autre programme fédéral sous lequel l'employeur peut faire une offre d'emploi et Guy pourra arriver et commencer à enseigner. Pardon de vous avoir interrompu. Beaucoup pour Guy, il n'y a aucun problème. On est là pour vous écouter, vous. Et moi, je ne fais que poser les questions des internautes. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur les différentes plateformes. Ça peut être sur le site de Forum Expat, sur la page Facebook de Courrier Expat, sur LinkedIn. N'hésitez pas à poser les questions sur Twitter aussi. On les relaye, on les pose. Je les pose à Asma dès que je les vois. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Justement, j'enchaîne avec une autre question de Fatma posée sur le site de Forum Expat. Alors, elle doit s'intéresser beaucoup au Nouveau-Brunswick et au Canada plus généralement. Et elle a vu qu'il y avait un manque, elle parle d'un manque terrible d'enseignants au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. Du coup, elle se demande si vous prévoyez d'organiser bientôt des séances de recrutement spécifiques pour les enseignants. Alors, au début de la pandémie, il y a eu un besoin criant parce qu'il fallait diviser les classes. Donc là, c'est vrai que nous avons fait la promotion de la profession d'enseignant au primaire et au secondaire. Néanmoins, pour l'instant, le seul besoin qu'il y a aujourd'hui, à part pour le secteur anglophone qui est à la recherche d'enseignants de langue française, langue seconde, en classe d'immersion,
pour les districts scolaires francophones. Pour l'instant, ce n'est que de la suppléance. Par contre, la suppléance est toujours une porte d'entrée dans le système. Normalement, après une période de probation, le suppléant ou la suppléante se voit sous réserve de bonne conduite et après évaluation de la direction, de voir son contrat renouvelé pour une certaine période. Donc, ça donne aux nouveaux arrivants l'opportunité de s'acclimater à la façon de faire des enseignants du Nouveau-Brunswick. Il faut aussi spécifier que dépendamment du pays d'où vient l'enseignant, la manière d'enseigner n'est pas la même. Ici, l'enfant est au centre de l'enseignement. Ce n'est pas le professeur qui est au centre de l'enseignement. Donc, il faut vraiment s'acclimater à notre réalité. Nos classes sont inclusives. Donc, elles ne sont pas exclusives aux enfants qui sont, entre guillemets, exempts d'handicap. Donc, il y a vraiment une réalité qui est autre et la suppléance peut être une porte d'entrée, oui. Alors justement, Asma, je crois que en répondant à la question de Fatma, vous avez un peu, sans le savoir, répondu à celle de Kadiata qui aimerait bien s'installer avec son mari et ses 4 enfants au Nouveau-Brunswick et se demandait comment étaient les écoles. Alors vous disiez justement qu'elles étaient inclusives, que l'enfant était au centre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus généralement du système éducatif, quelle est l'offre éducative, et on va aller vraiment pour avoir une vue d'ensemble de la crèche jusqu'à l'université. Comment ça se passe, quel est le système chez vous? D'accord. Alors, je voulais juste revenir un peu sur la question des enseignants. L'enseignement est une profession réglementée. Donc, si on a une licence plus une maîtrise, donc bac plus 5, et qu'on a quand même des cours en didactique, en méthodologie, en pédagogie, ce n'est pas à nous, service d'immigration, de dire oui, cette personne est éligible à l'immigration et à l'enseignement. Il s'agit du registraire du bureau de la certification des maîtres. Ça, c'est très, très important. Je vais juste donner un exemple. Si, par exemple, j'ai un bac plus 2, eh bien, un bac plus 2 ne donne pas le droit à un certificat d'enseignement. Donc, j'aimerais aussi, je voulais vous dire que c'était réglementé. Maintenant, pour la question à savoir comment est le système d'éducation, vu que nous sommes une province bilingue, nous avons 2 systèmes d'éducation, un système en français et un système en anglais. Il y a des districts scolaires francophones et les districts scolaires anglophones. Donc, dépendamment de là où vous allez vous installer, il se peut qu'il n'y ait que des districts francophones ou il ne se peut qu'il n'y ait que des districts anglophones. La plupart du temps, si vous vous installez dans une région où il y a cette dualité, où il y a 2 districts scolaires, eh bien, le gouvernement penche pour que si vous êtes francophone, que vos enfants aillent premièrement à l'école en français. Et c'est aussi pour le poids démographique, parce que c'est bien d'être bilingue, mais ne vous en faites pas. Ici, au Nouveau-Brunswick, l'anglais ne s'apprend pas. Il s'attrape, comme disait un de mes collègues. Donc, c'est très, très important. Donc, de la maternelle, alors pour ce qui est du préscolaire, il y a des garderies. Et à partir de la maternelle, l'école est gratuite jusqu'à la 12e année. Ensuite, pour passer aux études postsecondaires, que ce soit au niveau du collège communautaire du Nouveau-Brunswick ou des universités, c'est payant. Donc, il y a ça. Au niveau de l'enseignement en tant que tel, l'enseignement
Bon, il n'est pas le même, évidemment, parce que il y a l'enseignement en anglais et l'enseignement en français. Mais c'est un enseignement inclusif. Mettons que vous alliez vous installer dans une région anglophone où il n'y a pas d'école en français. Votre enfant sera accompagné pendant quelques mois par une personne qui va l'introduire à la langue anglaise. Donc, d'habitude, ça se fait de cette façon. Le matin, l'enfant est avec l'enseignante qui va lui enseigner les rudiments de la langue d'enseignement. Et une heure par jour et progressivement, l'enfant va intégrer la classe. Donc, ça, c'est pour rassurer les parents. Rien n'est laissé au hasard. Les districts scolaires sont là pour aider les nouveaux arrivants et les écoles surtout, parce qu'une fois que le district scolaire a donné une inscription à accepter qu'un enfant vienne étudier, eh bien là, après ça, c'est l'école qui prend le relais. Donc, ne vous inquiétez pas. Lorsque ça arrive, lorsque le temps arrivera, il y a quand même un réseau assez solide pour vous épauler et épauler vos enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, maintenant plus généralement, de la vie quotidienne au Nouveau-Brunswick ? À quoi ça ressemble exactement ? On a parlé un petit peu de travail, enfin, en tout cas, d'accès à l'emploi, d'accès au territoire d'abord, d'accès à l'emploi ensuite, d'éducation. Mais la vie quotidienne ressemble à quoi ? L'équilibre vie professionnelle, vie privée se situe où selon vous ? Alors, vous avez 80% de votre territoire qui est occupé par des forêts, je le disais tout à l'heure. Du coup, c'est un mode de vie très, très souvent à l'extérieur, j'imagine, mais pas toute l'année, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe chez vous ? D'accord. Donc, imaginons que vous travaillez et pas dans un grand centre urbain. Comme je disais tout à l'heure, seuls les grands centres urbains ont un système de transport en commun. Il n'y a pas de métro. Il faut vous attendre à soit du covoiturage ou à posséder votre propre automobile. Ça, c'est la première des choses. Surtout si vous devez faire 20 minutes ou 30 minutes de marche par moins 20 en 100 ans et durant une tempête. Donc, normalement, les quarts de travail, ce sont des quarts entre 37 heures et demie à 40 heures par semaine. Dépendamment de la région où vous allez être, vous avez au moins pour tout ce qui est social, et évidemment maintenant nous sommes en temps de pandémie, mais auparavant, vous avez au moins une bibliothèque. Vous avez aussi le centre, l'organisation qui vient en aide aux nouveaux arrivants qui, eux, organisent encore même en temps de pandémie, heureusement que la technologie le permet, des activités. Donc, pour briser justement cet isolement, il y a tout un filet social que vous laissez derrière vous et familial. Donc, ici, il y a une manière de vous intégrer en assistant à des activités. Dépendamment de votre confession et s'il y a une église, un temple, une synagogue, une mosquée. Il y a aussi d'autres alternatives de rencontrer du monde. Il y a, selon vos hobbies, beaucoup à faire, mais évidemment sous caution. Hein, maintenant, on est en pleine pandémie, on ne parle pas de sortir et de s'amuser et de faire du karaoké. On a oublié ça, nous sommes dans une nouvelle réalité. Mais comme nous avons 4 saisons, moi, je vous invite, si vous venez, à vous acclimater à l'hiver parce que c'est une très, très belle saison. C'est une saison où vous n'avez pas besoin de faire du ski. Vous n'avez pas besoin de faire des acrobaties. Vous pouvez juste marcher dehors. Peut-être investir dans des raquettes. Marcher, s'amuser avec ses enfants. Donc, chaque saison apporte son lot d'activités. Il y a énormément de choses à faire. Et dépendamment évidemment de la saison et de la région où vous vous trouvez.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le logement? Parce que alors là, on a bien compris qu'il fallait qu'on investisse dans des raquettes et que les écoles étaient inclusives et qu'il fallait évidemment avoir des certifications pour y enseigner. Mais concrètement, et qu'il fallait une voiture pour le logement. Comment ça se passe d'abord pour louer? Parce que quand on arrive, on n'achète pas tout de suite. En général, on est locataire d'abord. Comment ça se passe? Et ensuite, pour acheter, est-ce que c'est possible pour des étrangers? Est-ce que c'est difficile? Vous pouvez nous en dire quelques mots? D'accord. Alors, ce que nous conseillons d'habitude, c'est louer pendant un moment. Avant d'arriver, vous serez en contact avec une organisation de services aux nouveaux arrivants. Vous pouvez commencer par là, leur demander ce qu'il y a sur le marché en termes de location. Il y a aussi un tas de plateformes qui donnent de l'information. Donc, dépendamment de la ville où vous allez être, il se peut que vous ayez à chercher pendant 2-3 mois avant de trouver un appartement, et ça, je vous conseille de le faire avant d'arriver. Mais une fois sur place, louer. Évidemment, avec la pandémie, dépendamment où vous allez être, les logements, on va pas se mentir, les logements, le prix des logements a augmenté, surtout pour la location. Mais ça dépend encore de la région où vous êtes. On peut aller de $800 dans une petite région pour un 2 chambres. Salon à peut-être $1,500 dans un grand centre. D'accord? Donc, ça, c'est le locatif. Et je vous conseille, avant d'acheter une maison, et n'achetez pas de maison si vous n'êtes pas déjà établi au Nouveau-Brunswick, si vous n'avez pas de travail. Pourquoi louer en premier? Parce qu'il faut aussi avoir ce petit recul et de vous dire que il va falloir que vous bâtissiez un historique de crédit. Les banques ne vont pas vous prêter de l'argent le lendemain de votre arrivée. Donc, on vous conseille tout le temps de vous bâtir un crédit, un historique de crédit. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'acheter, évidemment, maintenant la pandémie, et ça, vous avez dû le remarquer dans votre pays et dans d'autres pays, le prix des maisons a augmenté. Seulement, au Nouveau-Brunswick, nous avons encore des prix très abordables. Donc, on va dire que pour au Canada, en général, lorsqu'on va parler du coût d'achat d'une maison, on va parler d'à peu près 680 000 à $686 000. Alors qu'au Canada, au Nouveau-Brunswick, pardon, le prix médian et de 262 200. Si l'on compare avec Toronto, le Grand Toronto, c'est déjà $1 million et plus, et nous la même chose à Vancouver. Donc les prix sont encore très bas pour acheter, mais n'achetez pas tout de suite en arrivant. Prenez le temps de trouver la maison qu'il vous faut et qui correspond à la réalité de votre cellule familiale. Et maintenant, quelques peut-être conseils et informations pratiques sur la santé. Comment est-ce qu'on est couvert sur le plan de la santé? On a souvent, depuis la France, peur de l'Amérique du Nord. On parle souvent des États-Unis, hein, évidemment. On sait moins ce qui se passe au Canada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, justement, comment les choses se passent sur le plan de la santé? À la fois dans votre province, dans le reste du Canada, il y a un régime provincial, il y a des régimes privés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, comme toutes les provinces du Canada, les services de santé sont universels, c'est-à-dire qu'ils sont payés à même les taxes, les impôts des contribuables. Donc, tout ce qui est visite chez le médecin, visite à l'hôpital, hospitalisation, tout cela est couvert par le système universel. Ce qui n'est pas couvert, ça va être la visite chez l'optométriste, par exemple. Ça va être la visite chez le dentiste.
ça va être la prescription de vos lunettes, ça va être un plombage ou une couronne. Donc, lorsque vous arrivez, si vous arrivez avec une offre d'emploi, normalement, vous allez être couvert tant que votre permis de travail a une durée d'au moins 365 jours. Là, vous allez avoir la couverture médicale. Après une période de probation, vous allez pouvoir souscrire à l'assurance médicaments et autres soins comme soins dentaires et soins de vision à travers l'assurance de groupe. Ce que nous conseillons à tout le monde, c'est de venir avec au moins une assurance voyage d'au moins quelques mois. Le temps de pouvoir être couvert par l'assurance de groupe, celle à laquelle souscrit votre employeur. Si vous arrivez comme résident permanent, c'est autre chose. Nous vous demandons aussi de souscrire à une assurance voyage qui va couvrir cette période, le temps que vous receviez votre carte et le temps que vous avez besoin d'aller en visite chez le dentiste en toute urgence. Donc, c'est, la seule différence, c'est si c'est esthétique ou vision, ce n'est pas couvert. Tout le reste est couvert. Une dernière question qui porte sur la santé, qui nous vient de Sabrina, et elle l'a posée sur Facebook. Quels sont les vaccins reconnus par le Canada? Très important, parce que si on n'est pas vacciné, on ne peut pas y aller. Alors, pour le Canada, vous avez Pfizer, vous avez Moderna, et vous avez aussi, jusqu'à preuve du contraire, AstraZeneca et Covishield. Donc, c'est soit Pfizer, soit Moderna, ou AstraZeneca, Covishield, ou aussi Johnson, pardon, et Sinopharm. D'accord, donc il y a 6 vaccins reconnus par le Canada. Alors, il faut avoir les 2 doses pour pouvoir circuler à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur du Canada, y venir, y aller à partir du 30 novembre. Dernier mot, on va finir là-dessus. Quels seraient vos conseils si à vous-même, vous habitez au Canada maintenant depuis 30 ans, mais si vous y partiez maintenant, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Quels seraient les conseils que vous donneriez aux gens qui nous écoutent et qui s'apprêtent à franchir ce pas? Le premier conseil, c'est tempérer nos attentes. Je suis consciente que vous allez partir en quittant une profession peut-être très très bien rémunérée. Sachez qu'ici, comme ailleurs, la plupart des emplois ne sont pas affichés, c'est du bouche à oreille. Donc, l'importance du réseautage. Lorsque vous arrivez, faites-vous connaître, faites du bénévolat. Il y a énormément de façons de nouer des liens avec la communauté dans laquelle vous allez habiter. Donc, ça, c'est la première des choses. Ménagez vos attentes. Si vous êtes dans une profession réglementée, sachez que la plupart du temps, vous ne serez pas certifié avant d'être au Canada. Donc ça aussi, c'est très, très important à garder en tête. Budgétez. Surtout si vous arrivez sans offre d'emploi. Ce n'est pas facile. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se préparer. C'est un projet de vie. Immigrer, ce ne sont pas des vacances. Donc, renseignez-vous, ayez tous les documents nécessaires, soyez informés, restez informés, ménagez vos attentes et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup Asma, je crois que c'était très riche en conseils, en informations pratiques. Il y a évidemment tant de choses à dire encore. Les gens que ça intéresse peuvent vous retrouver sur le stand virtuel et il y a beaucoup d'informations aussi sur Courrier Expat. Donc vous pouvez nous retrouver en ligne et continuer à vous informer parce que ce que l'on disait, ce que l'on ne cesse de dire depuis ce matin, c'est qu'une expatriation réussie, c'est une expatriation qui est préparée. Merci beaucoup à vous Asma et je vous dis à vous qui êtes en ligne à très vite pour une autre conférence dans une demi-heure sur vivre et travailler, toujours au Canada, mais cette fois au Québec. Merci beaucoup. Merci. Et à tout de suite. Au revoir. Merci Asma. Infiniment. Bon salon. Au revoir. Au revoir.
le Nouveau-Brunswick. C'est un endroit où la vieille école et la haute technologie se croisent, où un océan de possibilités d'affaires courtoie aux marées les plus hautes du monde. Au Nouveau-Brunswick, l'agilité règne, dans les salles de conférence comme à l'extérieur de celles-ci. Le mode de vie sur la côte Est est certainement serein, mais les affaires y évoluent à une vitesse fulgurante. Et ne vous laissez pas tromper par l'ampleur de nos forêts. Ici, nous disposons d'une infrastructure de pointe. Une fois arrivé au Nouveau-Brunswick, vous serez accueilli par les sourires amicaux de nos gens hautement compétents. Ici, nous sommes vaillants et résilients, mais nous savons aussi nous amuser et savourer nos réussites. Au Nouveau-Brunswick, nous avons toujours privilégié la qualité plutôt que la quantité. Notre petite taille n'est pas un désavantage. En fait, elle nous permet de réaliser nos projets d'affaires avec efficacité. Ici, les puissances mondiales prospèrent aux côtés des jeunes entreprises locales et les vieilles traditions et les approches de pointe coexistent. Les gens du Nouveau-Brunswick ne sont pas vraiment du genre à se vanter, ils sont plutôt modestes, tout comme le coût de la vie et les coûts d'exploitation. Alors maintenant que vous avez découvert le Nouveau-Brunswick, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'en apprendre davantage?